super contente de vous accompagner aujourd'hui pour une nouvelle émission. Au menu, on se rend chez Bouffe Laurentienne, où on va découvrir un peu l'envers du décor pour aider les gens avec la situation alimentaire. Par la suite, on parle Opération Nez Rouge et on rencontre Simon du 24 heures Tremblant pour nous parler du grand retour en présentiel de l'événement. Mais avant tout, j'ai avec moi Diane Seguin qui vient nous parler du marché de Noël de Val-David. Bonjour Diane. Bonjour. Sujet très joyeux. Vraiment. Donc le 11 et le 18 décembre, qu'est-ce qu'il va avoir? Bien, il va avoir un événement. Bien, c'est pas un événement. Il va avoir le marché de Noël de Val-David qui a 18 ans, donc il est majeur. Mais il va avoir cette... Les marchés, c'est des grandes fêtes. Alors, cette fête-là, pour Noël, elle est exceptionnelle tout le temps parce que c'est un moment où les clients reviennent revoir les producteurs qu'ils ont vus tout l'été et ils font leurs provisions pour le temps des fêtes. Alors, c'est très festif, c'est joyeux. Puis même avec le contexte pandémie, COVID, ça reste que le plaisir est là. Il y a des blagues, les conversations sont là. Donc, c'est vraiment, vraiment des moments particuliers et très, très, très courus. Et marché de Noël dit produits locaux. Mm-hmm. Comment ça se passe? Est-ce que vous allez recruter directement les producteurs de la région? Oui, on commence notre recrutement. Mais d'abord, on a notre base. Hein. Vous le savez, on a le marché d'été, donc on a déjà une bonne base de producteurs. Mais on va vraiment dans la région pour aller chercher ce qu'il y a de mieux. Mais quand on ne trouve pas dans la région, par exemple, je vais vous montrer un produit tantôt qui est vraiment pas dans la région parce que c'est un produit qui est dans le fleuve. Alors, comment on n'est pas très près d'un fleuve, on est allé chercher ce produit-là parce qu'il est exceptionnel. Donc, ça, on l'offre aux clients, c'est un spécial. Mais sinon, les producteurs sont de la région en majorité, oui. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver au marché de Noël de Val-David? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir y découvrir? Oh mon Dieu, tout. En tout cas, ceux qui veulent cuisiner, ceux qui ne veulent pas cuisiner, mais simplement réchauffer, tout est là. Et ce qu'il y a d'important, c'est que tous ceux qui sont au marché, les producteurs qui sont là, c'est eux qui cuisinent, qui élèvent et qui font les produits. Donc, la conversation qu'il peut y avoir entre un client et un producteur est exceptionnelle parce que le producteur est là pour expliquer ce qu'il fait et d'où ça vient. Donc, ce qu'on va y trouver, on va y trouver toutes les viandes possibles imaginables pour ceux qui aiment les produits carnés. On va y trouver une maraîchère qui travaille en serre, donc qui peut offrir des légumes d'hiver. Et ça, c'est le fun parce qu'il y a du vert encore, puis on a le goût de ça. On va y trouver du miel, du sirop d'érable, des fromages, du saumon fumé, des produits transformés, des desserts, des tartes, des gâteaux. Aussi des condiments. Ici, j'ai apporté une petite sauce piquante de Hillhead Chili qui va ravigoter une petite tourtière. Et le produit qui n'est vraiment pas de la région, c'est celui-là. C'est des flocons de sel. Vous savez, on en parle beaucoup dans les journaux. C'est des jeunes qui vont chercher le sel dans le fleuve devant les grandes bergeronnes et qui font sécher et je ne sais pas le procédé exact, là, c'est un secret, mais qui font du sel de mer. D'habitude, on l'achète, ça vient d'Europe, mais là, on a vraiment notre sel de mer. Alors, c'est un produit qui est rare, c'est un produit d'exception qui fait un super beau cadeau. Donc, c'est ça. Puis, ce qui est aussi le fun, c'est dans les grandes surfaces, souvent, l'ail à Stincy vient d'ailleurs. Celui-là, il est biologique. Le producteur est là, donc on a de l'ail et cet ail-là va durer tout l'hiver. Alors, à faire des provisions. On a des œufs, on a du café équitable, on a des alcools, on a des saucissons. Il y a donc, de tout. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout pour prendre l'apéro, pour faire les repas, pour des trucs pour les enfants, pour recevoir, pour cuisiner. Vraiment, là, c'est un... C'est abondant, c'est gorgeux. On veut ça, quoi. J'ai découvert aussi qu'il y a des produits autant bio que non bio pour répondre aussi à la plus grande demande des gens. Oui, oui, exactement, parce qu'on essaie de... Vous savez, être certifié biologique, ça coûte cher.
Et nos producteurs travaillent tous bien, c'est-à-dire que ils nous font des comptes rendus sur l'élevage des animaux, leur nourriture, leur traitement, etc. Donc nous autres, on a déjà, à travers l'échange qu'on a avec eux, on sait déjà qu'ils travaillent extrêmement bien. Moi, je mange leurs produits les yeux fermés, je suis en sécurité avec eux parce que je sais qu'ils travaillent bien, qu'ils travaillent sainement. Et surtout, vous parlez à un éleveur, puis vous parlez à un maraîcher, puis vous parlez à un transformateur et ils ont un respect très, très profond de la terre parce qu'ils savent que la terre, c'est ça qui les fait vivre. Donc, cette notion que les petits agriculteurs n'abîment pas la terre, ça, c'est certain. Au contraire, ils la respectent parce qu'ils savent qu'ils lui doivent beaucoup. Alors, c'est ça qu'on retrouve aussi dans le discours au marché. Oui. Et là, le marché de Noël est à Val-David. Ouais. Est-ce que, selon vous, il devrait en avoir plus de marchés de Noël? Est-ce que chaque ville devrait en avoir un? Il y a toutes sortes de marchés de Noël. Il y a des marchés de Noël qu'on appelle plus, entre guillemets, commerciaux, qui sont plus jolis. C'est les petites cabanes qui ont l'air des marchés de Noël du nord de la France ou de l'Allemagne, Suisse. Mais oui, il devrait en avoir plus. Nous, notre marché est agricole seulement. C'est seulement de la nourriture. On aimerait bien avoir une petite cabane pour chaque producteur, mais comme on a 50 puis que ça coûte très cher, c'est une autre chose. Nous, les marchés sont là vraiment pour simplement faciliter l'accès aux clients à tout ce qu'on offre en même temps. Donc, malheureusement, on n'a pas de petite cabane glamour et jolie, mais l'atmosphère est là, c'est joyeux et les producteurs sont là. Et la belle, belle qualité de la nourriture est là aussi. Diane Seguin, ce fut un plaisir d'en apprendre sur tous ces produits et c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Tout le plaisir est pour moi, puis joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. On vous invite à aller au marché de Noël de Val-David les 11 et 18 décembre prochains de 10h à 16h. Restez avec nous, on se déplace chez Bouffe Laurentienne pour découvrir tout l'envers du décor pour l'aide alimentaire. Florentienne, on fait beaucoup de choses. D'abord, on regroupe tous les comptoirs alimentaires et les cuisines collectives de la MRC des Laurentides, qui représentent une vingtaine d'organismes à but non lucratif. Et tout le monde ensemble, on s'occupe de la sécurité alimentaire pour répondre aux besoins d'environ 2000 personnes défavorisées dans notre région. Et est-ce que vous récupérez des aliments, vous les transformez également? Bon, alors ce qu'on fait, premièrement, notre principal fournisseur de denrées alimentaires, c'est Moisson Laurentide. Ça veut dire que nous, avec notre camion réfrigéré, on se déplace 4 fois par semaine à Blainville. On va chercher les denrées alimentaires et on les rapporte et on les redistribue dans tous les comptoirs alimentaires et les cuisines collectives. Alors, on ne fait pas comme tel de transformation alimentaire. On fait du tri d'aliments, par exemple. On fait de l'empaquetage d'aliments on remet ça aux organismes pour qu'eux puissent le distribuer. À leur tour, eux aussi font un triage des aliments. Par exemple, mettent les légumes ensemble dans des sacs, etc., etc. Il y a un triage des aliments parfois qui sont plus bons également. Et puis, on remet ça aux familles défavorisées. Et à quoi ressemblent les besoins dans les Laurentides en aide alimentaire? Et au moment où on se parle, depuis septembre 2021, ça remonte. Donc, on a plus de demandes là, reliées à l'insécurité alimentaire là, de la part des ménages. Souvent, d'ailleurs, des nouveaux ménages, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais fait appel à l'aide alimentaire puis qui se retrouvent aujourd'hui, puis on le sait avec l'augmentation du coût de la vie aussi, là, avec les frais, c'est de plus en plus cher l'alimentation, donc ils se retrouvent à devoir faire une demande d'aide alimentaire pour rejoindre les deux bouts. Bien, on a plusieurs services, mais si on regarde, d'abord, on a un service de livraison où là, vraiment, c'est du travail vraiment d'expédition de denrées alimentaires. Donc, on a un chauffeur et un camion réfrigéré qui, plusieurs fois par semaine, comme je le disais tantôt, va porter directement dans chacune des régions. Ensuite de ça, ici même, on couvre aussi les petits villages. On a développé un service de proximité dans les villages de Montcalm, Huberdeau, Saint-Rémy-d'Amherst et Lac-Supérieur. Alors, à chaque semaine, on a de nombreux bénévoles qui viennent préparer la nourriture dans des boîtes et on les livre directement dans les villages. Et encore une fois, là, il y a des bénévoles là-bas qui remettent ça aux gens. On a même des jeunes aujourd'hui, il y en a d'ailleurs
les jeunes de polyvalente qui viennent nous aider parce que, bon, il y a des sacs de légumes à préparer, il y a du tri aussi d'aliments parce qu'on reçoit toutes sortes d'aliments. Parfois, c'est dans des gros sacs. On ne peut pas remettre des sacs gros comme ça à des ménages. Donc, on les ouvre, on les trie, on les divise, dans le fond, en plus petits sacs et puis pour pouvoir les remettre aux gens. Alors, Dominique, il y a un événement super important qui s'en vient très prochainement en décembre. Un événement qu'on attend tous, le retour en présentiel de la Grande Biennale des médias. Oui, enfin, enfin en présentiel. L'année dernière, on a fait ça virtuellement. Et puis, on s'attend à une grosse participation. Là, c'est quand même une partie de l'année très intense. Là, il y a 250 bénévoles là, juste dans la MRC des Laurentides là, pour organiser et puis pour se rendre là, sur chacun des coins de rue, là, des barrages routiers. Là, il y a 7 barrages routiers en tout, entre La Belle et Sainte-Agathe. Et puis, on a un objectif d'amasser 40 000 $ plus évidemment beaucoup de denrées parce que les gens peuvent donner des denrées en épicerie aussi dans plusieurs marchands, la plupart des épiceries de la région. Et puis tout ça va être récupéré puis redonné aux gens. C'est un gros temps aussi pour faire rayonner l'aide alimentaire, le travail des comptoirs alimentaires, le travail des cuisines collectives aussi de la région. Et puis, s'assurer qu'il va y avoir des denrées, pas juste dans le temps des fêtes, mais toute l'année aussi. Hein? Bien, on pense toujours au temps des fêtes, les paniers de Noël. Et c'est vrai que c'est important. C'est le fun d'avoir un plus pour les familles défavorisées. Mais il faut penser qu'il y a 50 autres semaines durant l'année où il faut aussi remettre des denrées alimentaires puis que les ménages en ont besoin tout au cours de l'année. Là. Et là, il y a la Grande Biennale des médias le 2 décembre. À quoi on peut s'attendre d'autre durant tout le mois de décembre? Bien, il va y avoir une possibilité, dans le fond, durant tout le mois de décembre, de donner en ligne. Alors, en passant par le site de Beauflorentienne, www.beauflorentienne.org, ils peuvent se rendre directement là et puis à la page principale, cliquer sur le bouton « Donner » et puis les gens peuvent faire un don en ligne durant tout le mois de décembre. Fait qu'il y aura possibilité de scanner sa carte de façon sécuritaire. Sur certains barrages routiers, il va y avoir un nouveau système et les gens vont pouvoir, comme on le fait à l'épicerie, mais c'est un système exprès où les gens vont pouvoir seulement passer la carte, faire un bip et donner un 5 $ juste en sortant leur carte de crédit ou leur carte de débit de leur véhicule automobile là, quand la personne va s'approcher de leur véhicule. Ça, c'est une nouveauté cette année, c'est vrai. Et c'est la campagne la plus importante de son histoire cette année en 2021. La demande est en hausse actuellement. Durant la pandémie, c'était évident. Ça s'est replacé un peu, mais depuis septembre dernier, les demandes vont en augmentant. Et souvent, des gens qui n'avaient jamais fait affaire avec l'aide alimentaire auparavant. Fait que c'est important de donner cette année pour le temps des fêtes, mais aussi pour tout le reste de l'année, pour que les gens aient de la bonne nourriture. Là. Je te remercie beaucoup, Dominique. C'est vraiment un événement qui est super important. Puis on invite les gens à donner généreusement. Chaque dollar peut faire une différence. Donc, on souhaite que le mois de décembre soit super généreux pour vous. Merci beaucoup. Chaque semaine, sur votre chaîne locale, Nous TV. Terre verte, gris de peine, terre d'ombre brûlée. On mélange, mais pas trop. Pas trop de mélange. Chaque semaine, sur votre chaîne locale, Nous TV. Chaque semaine, sur votre chaîne locale, Nous TV. Bienvenue à cette nouvelle saison de Connecter Laurentide. Nous commençons la saison. Cette année, l'opération Nez Rouge est... De retour pour vos retours! Pour rentrer, appelez un ami, un taxi ou appelez l'Opération Nez Rouge. Visitez opérationnezrouge.com pour savoir si le service est offert dans votre région. Un merci spécial à Dominique de Beauflorentienne de nous avoir permis de découvrir tout l'envers du décor dans leurs locaux. J'ai maintenant avec moi le porte-parole d'Opération Nez Rouge des Pays d'en haut, Jérôme Charlebois, bonjour. Salut Patricia, enchantée. Enchantée. Je suis vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que Opération Nez Rouge fait son grand retour sur les routes du Québec depuis le 26 novembre, justement. Je veux savoir un peu, c'est quoi l'importance pour toi de soutenir cet organisme-là? Bien, ça a commencé vraiment avec cette
gentille dame qui s'appelle Marie-André Cyr, qui malheureusement, pour des raisons sanitaires, n'a pas été avec nous aujourd'hui. Mais Marie-André, écoute, est venue me chercher avec son cœur et ça m'a séduit tout de suite. Et j'ai tout de suite accepté cette mission de représenter Nez Rouge des Pays d'en haut, et qui est relié à la Maison des jeunes et l'organisme communautaire, le Labyrinthe, bon, qui est pour les sans-logement de 16 à 25 ans. Parce qu'on sait que les sous ramassés par Opération Nez Rouge sont toujours redistribués localement pour soutenir les jeunes et ou le sport. Et la Maison des jeunes est quelque chose d'important pour toi. Ben oui, surtout après une pandémie, là, on sait que c'est important... Oui, de ramasser des sous, parce que la Maison des jeunes a été resituée sur la rue Morin, dans le cœur du village. Alors, c'est vraiment bien, parce que, oui, c'est une maison maintenant très adéquate, mais c'est surtout qu'on a pu mettre des instruments de musique, une scène. Il y a de l'impro là-dedans. Il y a des jeunes qui se rencontrent pour faire de la musique et on veut vraiment leur proposer beaucoup d'activités. Et Jordan, Daphné, Vanessa, c'est une équipe vraiment qui a ça à cœur. Et M. Claude Reeves aussi, le président. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est mise là-dedans. Et c'est grâce à Nez Rouge qu'on récolte ces sous-là, évidemment. Donc, l'opération, c'est sûr que nous, on cherche des bénévoles le plus possible pour nos soirées des fêtes qui arrivent à grands pas, là, parce que la page Facebook Opération Nez Rouge des Pays d'en haut, il y a un numéro de téléphone, le 1-855-317-6444. On va le voir à l'écran aussi. Et France va nous mettre tranquillement le calendrier où Nez Rouge sera opérationnel. Alors, on a le 3, 4, 10, 16, 17, 18, 23, 30, 31 décembre. Et on peut s'inscrire, donc, oui, sur la page Facebook, mais sur aussi la Maison des jeunes. Il y a d'autres endroits aussi où on peut faire des dons, parce que, oui, on espère avoir beaucoup de bénévoles, mais on comprend aussi qu'il y en a qui sont un petit peu craintifs. Bon, mais regardez, c'est sûr que ça prend le passeport vaccinal. Bon, il y en a qui sont tout seuls, qu'on va mettre en équipe aussi. Sinon, c'est en équipe de trois. Et moi, tout le monde me dit vraiment qu'ils ont eu du plaisir à faire ça, à créer vraiment des liens amicaux pour leur accompagnement. Et vraiment, les soirées, le fun qui se crée entre eux en s'inscrivant et en allant raccompagner les gens. On dessert Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Piémont, Sainte-Anne-des-Lacs, Val-Morin, Mornites, Saint-Wentworth-Nord, Saint-Agathe, je l'ai dit, Val-Morin, j'ai dit, Sainte-Marguerite et l'Estérel. Super! Puis, l'an dernier, Opération Nez Rouge avait lieu de manière uniquement virtuelle, due aux conditions. Cette année, on est de retour en présentiel et il y a 96% des Québécois, selon un récent sondage, qui disaient qu'Opération Nez Rouge, c'est encore super d'actualité puis super important dans le temps des fêtes. Est-ce que tu penses de ton côté que c'est quelque chose qui est encore très important? Ah oui, 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 parce que nous, en 2019, on a eu pas loin de 150 bénévoles et vraiment, c'est beaucoup de raccompagnement. On fait 20 000 kilomètres chaque année, à peu près, là. Mais donc, oui, on sent que les gens répondent. Quand des fêtes, on veut que les gens boivent de manière super régulière. Là. Oui. On veut pas trop de... Ah, puis il y a aussi la fatigue, le malaise. Bon, il y a la marijuana, il y a plein de raisons pour se faire accompagner. Et puis, vraiment, il n'y a aucune gêne, aucune honte, il faut le faire. Et, mais oui, oui, c'est sûr que c'est boire moins, boire mieux. C'est une mention à votre nouvelle bière également. Oui, ça, c'est un nouveau produit, un projet familial. Nous, on n'est pas là pour refaire une hibrou. Mais Robert a donc décidé de faire une bière personnelle pour son propre plaisir, mais pour aussi encourager une jeune microbrasserie, les bières philosophales. On a donc brassé la Charleboise, qui est une bière au piment et au gingembre. Super! Alors, c'est très particulier, mais c'est le fun. Et vraiment, on dessert dans la région quelques endroits. Puis ça aussi, on peut voir sur la page Facebook des bières philosophales, ceux qui veulent la retrouver. C'est dans le coin, un petit peu en épicerie fine, mm-hmm. et dans quelques supermarchés. Donc, on invite les gens à aller s'en procurer pour l'essayer. On invite également les gens à composer le numéro de téléphone pour rejoindre Opération Nez Rouge en cas de besoin. Et Jérôme,
je trouvais ça important de finir sur une touche un peu Noël aujourd'hui avec toi. Et tu as composé la chanson « Noël en couleur » en 2020, je crois. Oui, c'était l'an dernier. Super. Et j'aimerais qu'on écoute un extrait pour finir l'émission. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Amazing, amazing atmosphere. Tu peux pas te tromper quand t'as un événement où t'as autant de plaisir pour une aussi bonne cause. The timing of having everyone be down here for that final countdown, it's so special. Mais tout le monde ici, c'est comme une grosse famille, c'est un gros buzz, puis à la fin de la journée, on sait que ça compte. It's such a sense of accomplishment to get through this weekend. It's the best feeling in the world. Le 24 heures tremblant fait son grand retour en présentiel cette année et j'ai la grande chance d'avoir avec moi l'organisateur, le producteur du 24 heures tremblant, Simon. Bonjour Simon. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien. Comment qu'on se sent à l'idée que cette année, le grand retour en présentiel va se faire pour le 24 heures tremblant? C'est drôle, on dirait que ça fait longtemps, tu sais, 2 ans que tout ça existe, fait partie de notre réalité, mais de savoir qu'on peut quand même reprendre nos activités puis... Surtout d'avoir la communauté derrière nous. Tu sais, les gens sont là, sont au rendez-vous. Il y a vraiment un engouement, il y a une envie de se revoir, de se retrouver en comprenant ce qui se passe. Il faut faire attention à certaines choses. Mais puis les gens sont généreux, sont très motivés. Fait que ça augure très bien, en tout cas, pour la prochaine édition. Et là, cette année, il y a une manière de pouvoir participer en présentiel, en virtuel et moitié-moitié. Oui, en fait, tu sais, si on fait un petit retour en 2020, on n'a pas pu tenir l'événement, entre guillemets, sans dire que c'était annulé, mais il n'y a eu personne, il n'y a pas eu de 24 heures à Tremblant. Donc, on avait invité les gens à former leur équipe à distance, le faire d'une façon un peu virtuelle, et ça avait quand même bien fonctionné. Donc, quand on s'est relancé en 2021, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va voir comment la situation va évoluer, parce que c'est quand même, il y a plus de 6 mois qu'on a réouvert le 24 heures 2021. Et là, on offrait les deux. Et on se disait, bien, les gens pourront choisir ou on pourra s'ajuster selon l'évolution de la pandémie. Et là, en tout cas, la réponse est très claire. Il y a 350 équipes et la majorité d'entre elles ont levé la main pour dire, bien, nous, on est confortable, on a envie d'y être puis on a envie de se retrouver. Oui, on va vivre des ajustements dans le cadre du nouveau 24 heures. Il y en a une portion qui ont choisi de rester pour différentes raisons à distance, mais 350 équipes d'inscrites, c'est tout près du niveau de 2019 avant le début de la pandémie. Et là, le 24 heures, il y a plusieurs défis sportifs que les gens peuvent se donner. Qu'est-ce qu'on est invité à aller faire? Bien, le classique, c'est de former une équipe pour un défi sportif à relais, là, qui n'est pas du tout compétitif. Donc, les gens forment une équipe en ski, à la marche ou à la course à pied. Donc, sur les pistes de Tremblant, on va se donner le relais de midi à midi pendant 24 heures. Et sur une boucle de 5 km, les gens vont marcher ou courir, seuls ou en équipe, autour du golf et de la station, pour le défi en présentiel. Puis ceux qui veulent le faire de la maison, qui vont le faire de la maison ou de leur propre destination, entre guillemets, font à peu près ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire un symbolique 24 heures de ski, de marche ou de course, mais il y en a qui font des activités de vélo stationnaire, qui font même des jeux, des activités en famille. Ça peut être la cuisine, en tout cas. L'an passé, on avait une panoplie d'activités qui nous avaient été démontrées. Fait qu'on appelle à la créativité des gens, mais l'idée, c'est de participer, de bouger, de faire quelque chose et de se mobiliser pour la cause. On essaie de leur faire vivre aussi les moments forts du 24 heures pour ceux qui ne sont pas présents, mais on a bâti une belle programmation pour relancer la fête cette année. Et justement, tu le dis, programmation, qu'est-ce qu'on aura accès? Est-ce qu'il y aura des spectacles? Oui. Écoute, on se concentre sur beaucoup d'activités extérieures. Le site est vaste, la pratique du ski va bien, les gens ont envie d'être dehors. Donc, on dit un peu à nos participants, bien, cette année, on va jouer dehors en plus que jamais en 24 heures. Donc, la fête du vendredi soir, il y a un gros party au pied des pentes. On va même ouvrir le ski de soirée, c'est-à-dire que les participants en
exclusivité vont pouvoir dévaler la piste du ski, du 24 heures de ski le vendredi pour juste s'amuser, se familiariser. Et là, c'est prestations avec Mélissa Lavergne, DJ Abeille. Donc, la fête qu'on connaissait à l'intérieur est déplacée à l'extérieur au pied des pentes. Toute la journée, le samedi, que ce soit le coup d'envoi à midi, que ce soit des concerts en après-midi et en soirée. Notre concert traditionnel, on y tient. On fait un grand concert le samedi soir avec justement la thématique des enfants parrainés qui sont nos représentants des fondations. Et là, on fait leur demande spéciale interprétée par toute une panoplie d'artistes invités qui vont être là en collaboration avec David Laflèche, Marimé, Imposte. Il y a une longue liste d'artistes qui vont être sur place pour performer des chansons demandées par les enfants. C'est un peu l'esprit de la fête avec une conscience philanthropique derrière tout ça. Et la cause des enfants est super importante. C'est quoi l'objectif cette année, monétairement? Au début, on était conservateurs. On se disait, bon, on sortait d'un grand record de tous les temps. Après 20 ans d'existence, le 24 heures 2019 avait été extrêmement, un très, très grand succès. En 2020, on avait réussi à amasser 2 400 000. Donc, on se positionnait à dire, bien, faisons mieux que l'année précédente. Essayons de nous rapprocher du niveau de 2019. Je te donne le scoop, 3,5 millions étant notre objectif. J'ai très bon espoir qu'on est en train de se rapprocher, même de l'atteindre. Puis qui sait, peut-être qu'on pourra le dépasser. Honnêtement, je le vois, les gens sont en forme, ont envie. Il y a de l'argent disponible pour les dons. Les gens sont généreux. Je pense que le 24 heures n'a pas passé aux oubliettes, comme on dit. On a réussi à passer à travers l'année difficile. Puis on est dans le positif, ça va super bien. Absolument. Puis je souhaite que cette fin de semaine soit vraiment mémorable et grandiose à la hauteur du 24 heures tremblant. Merci beaucoup, Simon. Bien, merci à vous autres. Puis je salue les participants parce que ce sont eux qui font de cette relance déjà un succès. Puis on a bien hâte de se retrouver. Absolument. Salut. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. C'est Noël qui nous égaye quand les petits s'émerveillent. C'est Noël. Quand on a à place du cœur un gros soleil. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.